Palais Brugorek, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures avec le Stade Rennais. On part tout de suite, c'est la Ligue Europa tout de suite. Allez, on se retrouve pour les meilleurs moments des matchs qu'on va vivre aujourd'hui. La Ligue Europa, dans quelques instants, l'entrée des joueurs sur la pelouse du Stade Olympique de Rome. Et voilà les joueurs sur la pelouse, c'est parti pour 90 minutes, dans quelques instants. Voilà le coup d'envoi, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Victoire au premier match, 2 buts à 0 sur le Celtic, je ne me trompe pas, ou 2 buts à 1. Voilà, c'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. La frappe et l'arrêt, 13 minutes de jeu. Qu'est-ce que monsieur l'arbitre a sifflé? Penalty. Voilà, c'est parti. Et il est prêt à contre-pied Mendy. 1-0 pour la Lazio. Allez, ça joue bien côté René avec la montée de Fred. Fred qui a eu l'appel d'Mbaignang. Qui va frapper la parade. La parade, ça sera un corner. La frappe maintenant, retour de la défense. Et le contre. René, Dominique Calvert-Lewin. Calvert-Lewin dans la surface. Quelle occasion. Benjamin Bourigeau avec la tête de Sacco. Encore une occasion. Bourigeau. La frappe de la Lazio, la 35e minute de Mendy dans les gants. Dégagement. Dominique Calvert-Lewin. Il est passé. Dominique Calvert-Lewin qui va rentrer dans la surface. Dominique Calvert-Lewin. Le ballon en retrait. La frappe et l'égalisation est logique. C'est signé Fred. 40e minute. Mais oui. René. Non. La frappe. Et René avait un peu régressé, là, mais ils vont remonter. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour Adama Traoré. Qui va frapper, qui va marquer. Le but du 2 buts 1 signé Adama Traoré. Fred au corner, il y a la montée de Sacco. Le ballon dans la surface. Dominique Calvert-Lewin, il fallait la toucher. Et ça va être la pause dans quelques instants. Monsieur l'arbitre va envoyer tout le monde à l'essai. Voilà, c'est la pause. On se retrouve pour le coup d'envoi de la seconde période, les amis, à tout de suite. C'est parti pour la seconde période de cette deuxième rencontre de la phase de poule de la Ligue Europa. Rennes mène 2 buts 1. Et très logiquement, même si la Lazio a eu des occasions, mais elles étaient moins franches. Ballon perdu. Il n'y a pas de hors-jeu, la sortie de Mendy. Et l'arrêt de Mendy. Il a voulu à la frappe et l'égalisation. L'égalisation romaine. Prochaine rencontre. Rennes recevra le Stade de Reims en championnat ce dimanche prochain. Le ballon dans la surface et Rennes est puni, 60e minute. Oui, c'est passé pour Adama Traoré. Adama Traoré qui va rentrer dans la surface. Adama Traoré qui va frapper.
Quelle occasion! On va aller chercher le nul. Et oui, il l'a envoyé là-bas, Adama Traoré qui est passé. Adama Traoré dans la surface. Adama Traoré vers l'arrivée de Rafinha, le super sub et l'arrêt. Amaric Traoré, il faut remonter cette balle. Oui, Dominique Calvert-Lewin pour offrir à Rafinha le ballon de l'égalisation. C'est lui le sauveur, Rafinha, pour sauver le Stade Rennais sur une passe de qui? De Dominique Calvert-Lewin. Ça fait un but partout. Trois buts partout, quel match. Rennes arrache le match nul. Voilà, c'est fini. Match nul ici à Rennes, ici, entre Rennes et la Lazio au Stade Olympique de Rome. On se retrouve pour le prochain match. Allez, deuxième match de la vidéo, c'est parti, le choc entre Monaco et Rennes ici à Louis II, bon, qui n'est pas dans le jeu. Il y aura peut-être trois matchs dans la vidéo, une vidéo d'à peu près peut-être un petit quart d'heure. C'est pour pas avoir deux fois la même équipe qu'on rencontre en Ligue Europa quand il y a la double confrontation en phase de poule. Allez, c'est parti. Les meilleurs moments de la rencontre entre l'AS Monaco et le Stade Rennais qui reste sur une victoire 4-0 face au Stade de Reims. Bourigeau du coup qui a dit qu'il ne voulait pas spécialement partir maintenant. Avec Rafinha, c'est quelqu'un qui me perturbe, qui dit tout le temps ça, que je connais. Un ancien de la maison José, donc voilà l'ouverture du score pour le FC, pour le Stade Rennais Football Club, pardon. 8ème minute, c'est le Stade Rennais qui mène 1-0. Alors on bloque l'axe côté Rennais, c'est la tactique. Le ballon, la volée qui va passer au-dessus de l'international russe. Pourquoi Boulego, j'allais dire. Alexander Golovin. Le centre dans la surface. Damien Da Silva, le cafouillage, la frappe. Oh, quelle occasion pour Rodrigo, la recrue monégasque. Là. Il n'y a pas d'enjeu. L'égalisation signée Wissam Ben Yedder, 26e minute. Rodrigo, pardon. Le ballon en retrait. La frappe de Ben Yedder à l'arrêt, 33e minute. Le Stade Rennais qui souffre. Le ballon, il l'a vu, l'appel d'Adama Traoré. Adama Traoré, 39e minute. Ça passe juste au-dessus de la transversale. Et le ballon dans la surface est vu. Et vu, 44e minute, l'AS Monaco repasse devant dans le match au score, mais aussi au classement. Le ballon dans la surface est contré, ballon dégagé, Adama Traoré, et c'est la pause, on se retrouve pour le coup d'envoi de la seconde période tout de suite. Les Rennais qui donnent le coup d'envoi de la seconde période ici, toujours ils sont menés, les Rennais à la pause. Calvert-Lewin qui s'est retourné, qui va frapper. Et l'égalisation, enfin, il marque en vidéo, Dominique Calvert-Lewin. Voilà, l'égalisation
Rennaise, signé Dominique. Calvert-Lewin. Un jour, Benjamin Louis joue. Oui, Dominique Calvert-Lewin qui a trouvé l'appel là-bas d'Adama Traoré pour Rafinha, le super sub qui est ce soir titulaire. Rafinha, 64e minute, Rennes se rapproche du podium. Allons, voilà, dégagé. Oui, c'est passé pour Dominique Calvert-Lewin qui va se présenter. Dominique Calvert-Lewin qui va offrir le ballon à Adama Traoré pour le but. Qui dégage et le contre rennais emmené par Rafinha. Rafinha qui a vu l'appel. Et oui, il n'y a pas d'enjeu pour peut-être le doubler pour Dominique Calvert-Lewin. L'homme peut-être providentiel de cette rencontre. Dominique Calvert-Lewin, 81e minute. C'est qui le meilleur? Évidemment, c'est José. On va gagner, ça c'est juré. Rennes est au-dessus. Oh, 87e minute. Corner à suivre. La dernière occasion, Monaco a perdu cette rencontre. 5 buts à 2 pour l'instant. C'est parti dans la surface. Et c'est l'envolé de Mendy. On va en rester là. Monsieur l'arbitre va renvoyer dans quelques instants tout le monde au vestiaire. Damien Da Silva. Voilà, victoire du Stade Rennais. 5 buts à 2. On voit tout de suite la conférence de presse. Puis les conséquences au classement. Le classement de la Ligue 1, le Stade Rennais est quatrième du championnat. Ils sont qu'à 8 points du leader parisien, mais déjà un podium nous intéresserait franchement. Allez, les amis, on se quitte là-dessus. On se retrouve pour la Ligue Europa la prochaine fois. Je vous dis Kishel Pali, à la prochaine semaine.